cadre avoir été constitution exigée. Ça fait que pour aucun ministre qui là nous pas gagne ça. Pas jamais gagne rupture pour aucun ministre qui là. Ça c'est une. Deuxièmement, c'est ça qui fait nous insister sur nouveau yo. Pour nous garder, est-ce que gagnant yo qui était ministre déjà ou bien est-ce que gagnant yo qui était ordonnateur ou bien comptable de deniers publics. Et Cour supérieure des comptes t'a dressé un rapport ban nous pour dire nous dans moun sa yo gen 3 seulement qui te travaille dans l'État et 3 moun sa yo pas ni ordonnateur ni comptable de deniers publics. Il dit nous pas qu'à parler de question de décharge pour aucun dans moun sa. Avec les questions, ça lui-même est clair. Nous pas un problème de charge qui posait là, je dis. Et. Est-ce qu'on peut. Allez-y, est-ce que le président de la commission avait vérifié que le ministre de la Défense ici présent était ministre des Affaires sociales? Il y a des charges. Est-ce que vous pourriez donner la décharge? Oui, la décharge est dans son dossier. Non, est-ce qu'on peut vérifier? Oui. C'est là, c'est présent. C'est là, c'est là. Non. Président, oui. Si c'est là, est-ce qu'on peut vérifier? Oui, ah, nous allons chercher les billes. Il faut jouer 4 sur table. Président, permettez. Ok. Président, permettez. Oui, il y a des charges et des charges, ça. Président. C'est le Parlement qui baille des charges, ça. Ok. Et non seulement il y a des charges, mais c'est un monsieur qui a bénéficié de la grande prescription. La prescription doit être déclarée par le Parlement. Eh bien, c'est déclaré par le Parlement. Il a un certificat. Et le certificat est versé dans le dossier. D'accord. Ça fait que pas de problème pour question ça. Et ceci par l'aide de chambre. Président. Pas de problème. Et ceci par l'aide de chambre. Non, mais c'est automatique. Et collègues, c'est automatique. Nous pas cacher à faire politique, non. Pour nous parler de la décharge dans le pays. Non. La prescription, c'est automatique. La prescription, c'est automatique. S'il vous plaît. La prescription, c'est automatique. Non, nous pas faire ça. Nous pas faire ça. Et c'est ça que fait moi-même l'aime devenir comme président. C'est ça que fait moi-même l'aime devenir comme président commission. Non, non, ok. Parlement, bail, monsieur, ça. Il y a un certificat. Ok, certificat qui verse dans le dossier, c'est ça. C'est un certificat qui est délivré par le Parlement haïtien. Oui. Oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît. D'accord. Certificat, monsieur, ça, c'est un certificat qui est délivré par le Parlement haïtien. Un moment, président. Président. D'ailleurs, que nous. Qu'on est calme, nous pas agressif l'un envers l'autre, parce que je vous dis, plat de résistance dans le il faut qu'on connaisse qui ça premier ministre pour nous dire à coup de vraiment, pour nous commencer à aider, nous connaître qui vient de résoudre le problème peuple. Il y avait pris cette tête. Non. Il était mettre dimanche à minuit. Il était mettre dimanche à minuit. Mais cependant, la permettre que. Président commission continue intervention non et gagne un membre commission qui voulait enchaîner après d'arrêter que au fini en façon pour capable de passer de la parole si vous jugez le nécessaire président. Collègue Yui, collègue Latoti, pas pour comme il y a le sénateur Beauplan qui est en fort avec moi, pas pour comme. Pas comprendre nous ravine Dieu là jeudi là. Oh non, mes amis. Oh. Je fais mon travail de contrôle. Oui, pour la deuxième question. Vice-président. Par le Parlement. Président. Il est ça où tu es voté pour le sénateur. Oui. Bien. Et. Pour la deuxième. Oui, pour la deuxième. Pour la deuxième. Non. On va vous donner toutes les. Pour la deuxième réponse. Deuxième réponse là, c'est. La liste. Ok. Et débat va continuer. Le temps pour commission en lui-même. Ok. Joindre dossier. Et ensuite, pour nos cas, nous gagnons réserve. Et provisoirement là. Ok, sur l'islam. En attendant, nous recherchons l'islam et puis nous continuons avec des baillots. Président. La commission s'enchaîne. Il y a la sénatrice de Don Lima. Président. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est comique. Sénateur de Don. Thank you.
Merci, Président. Pour me faire suite à la requête demande sénateur La Tortue sur la question de décharge du ministre de la Défense, le docteur Enol Joseph, en date du 31 juillet 2018, le Sénat, le président Joseph Lambert a écrit au docteur Enol Joseph pour cette correspondance, disant que suite à vos démarches auprès du Sénat, en vue d'obtenir une décharge de votre gestion comme ministre des Affaires sociales et du Travail pour la période allant du 8 novembre 1994 à 11 août 1995, suite à la correspondance de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, correspondance BPCSC 1516, numéro 360, notifiant au Sénat que M. Enol Joseph jouit de la prescription vicénale. Le bureau du Sénat de la République a l'avantage de vous informer que l'Assemblée des sénateurs, en sa séance du mardi 4 juillet 2017, a adopté une résolution accordant décharge pleine et entière à un groupe. Et deuxièmement, le Sénat de la République avait adopté une résolution en ce sens. Et l'article 243 de la Constitution précise que le fonctionnaire coupable des délits surmentionnés, enrichissement illicite, etc., ne peut bénéficier que de la prescription vicénale. Cette prescription ne commence à courir qu'à partir de la cessation de ses fonctions ou des causes qui auraient empêché toute poursuite. On estime que après 20 ans, c'est justice qui rend à un citoyen qui servit pays honnêtement et dont Sénat, avec Chambre députée, bref, le Parlement, pas de gain temps, yo même pas baille tête, yo responsabilité, puis yo fait travail, puis yo te baille. Décharge là, après un rapport, bien sûr, favorable de la Cour des comptes. On estime que c'est justice que n'apprenne. Président, bon, très mauvais président a créé là. Côté que constitution li clair, décharge ministre yo baille par le Sénat et la Chambre des députés. Et si que prescription était automatique, Chambre ça, président, qui Sénat, pas d'après réuni, pour que j'ai décidé et dit que les bénéficiaient de décharge là. Nous n'avons pas besoin de réunir pour nous débailler. Immédiatement, le fin de fête, président, le bureau avait transmis les dossiers à la Chambre des députés pour que, justement, ils fassent ce que de droit. Et la procédure est en cours. Et je regrette, président, si la Chambre des députés n'a pas donné décharge, le ministre n'a pas encore la décharge constitutionnelle. Oui, merci, président. La collègue Yuri m'a vraiment d'accord avec vous parce que la prescription à mon avis. Donc si délai que l'ancien ministre si délai va insister. Oui, président. Si délai prévu par la loi déjà couru. Donc là, ça, la faute, ce n'est pas à bénéficiaire de prescription. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec le président et l'Assemblée qui croit que le ministre en question, eh bien, ce n'est pas lui-même qui est responsable parce que, qu'on veut ou pas veut, si on va acquérir et le droit. Donc là, ça, et collègue Yuri, moi, je pense que pour cas ça, même pas qu'on est pour l'autre cas côté ministre, par exemple, c'est l'enlis ministre qui pas conforme à la loi qui a trait à DGI, à fiscalité. Donc, mais si c'est pour cas ça, président, moi pense que, et prescription, l'idée de droit et de fait, et nous allons faire un gros débat sur la question ça. Président, moi, je crois que moi soutenir l'approche sénateur Bélizière là.
Pour qui ça? Le Parlement n'est pas au-dessus de la loi. Nous prêter serment devant la Constitution pour nous respecter la loi, pour nous respecter la Constitution. Volonté Constitution, c'est volonté pas non au niveau du Sénat, ni au niveau Chambre des députés. Constitution dit clair en article 243, gain prescription vicénale. Depuis que Mounan, les films courent 20 années, les couvrir par prescription, nous-mêmes, comme sénateurs, qui sous l'obédience constitution, à députés, qui sous l'obédience constitution, n'ont pas qu'à gourmer avec constitution qui dit clairement, après 20 ans, que nous allons bénéficier de prescription. Monsieur le Président. Il n'est pas relevable. Donc, constitution claire, Président. C'est la motion, oui, c'est avec elle. Non, c'est pas en prise de parole. Non, le c'est en motion, le on a accordé la motion, Président. C'est en motion, le Président. Je lis, Président, l'article 243. Le fonctionnaire coupable des délits sud-désigné ne peut bénéficier que de la prescription vicénale. C'est dans l'autre article, nous y est. C'est. C'est pas dans question. Monsieur Babé, ça vous sent. Promotion de vous. D'accord, correct. Très bien. Le fonctionnaire coupable des délits sud-désignés, n'article avant, ne peut bénéficier que de la prescription vicénale. Donc, c'est enrichissement illicite à l'article 240. Ça n'a aucun rapport avec. Ça n'a pas de rapport là tout. Président, je pose la question. Je pose la question à quiconque veut répondre, Président. Oui ou non, après 20 ans, au monde qui est ministre, besoin toujours des charges. Je pose la question de façon claire et précise. Motion d'ordre, Président. Non, il n'y a pas à faire deux motions. Motion d'ordre. Je pose une question. Motion d'ordre. Que monde répond au niveau de. Non, qui motion d'ordre doit parler, les amis. Bravo. Qui motion d'ordre? Pas qui motion d'ordre. Président, le règlement, pas qui motion d'ordre. Qui motion, Président, mais pas qui motion d'ordre, Président. Regardez le règlement. Dirige le Sénat. Qui est le Président? Non, fais regarder le règlement. Le Président dirige le Sénat. En fonction des règlements intérieurs, en fonction de la loi, en fonction de la Constitution. Donc si, au niveau des règlements, nous avons des motions d'ordre, je cède. Président, consultez pour moi les règlements. Est-ce qu'il y a, oui ou non, motion d'ordre au niveau des règlements? Je vais céder si toutefois, on moune, qu'à montrer dans le bureau, qu'il y a une motion d'ordre là. Président, vous dirigez les débats, vrai? Vous m'accordez ou non? Correct, Président. Pas qu'on règlement, collègue. C'est du droit parlementaire. Je sais, je sais. C'est pas de la médecine, collègue. Je sais. Pas une bonne fois tout le monde. Motion d'ordre, allez. Dis-toi pour le collègue. J'aimerais que. Président, Président, j'aimerais que le collègue corrige. J'aimerais que le collègue. Je corrige, collègue. Et qu'il enlève ce mot pour vivre une vote ou là. Les bonheurs, collègue. Parce que je ne suis pas du même acabit que le collègue. Je ne suis pas du même acabit que le collègue. D'accord? Donc, que lui retire le mot là, Président. Très bien. Collègue, merci. Président, fort heureusement, au gros président. Pour prendre un règlement pour dire qu'il y a une motion d'ordre. Société a pris le note que le sénateur Bouplan a accouché en bêtise. Donc il y a une motion d'ordre. Il faut que le collègue l'admette. Le président m'a intervenu pour m'aborder dans le même sens avec ses collègues Yuri Latortu. Si la décision était automatique. Président. Une motion d'ordre. Président. Qui s'allie, collègue? C'est corriger, m'a corrigé ce qu'on dit, collègue. M'a d'accord avec. Tu peux aller. Je vais rebondir. Oh my god. Président, m'a dit que si décision était automatique, comme c'est vous-même qui avez dirigé les barrios, pour qui ça, Sénat, a intérêt pour une résolution, s'il était automatique. Automatiquement, Sénat pour une résolution, il a voté dans le Sénat. Donc, la loi fait une obligation à ce que le voter dans le même sens dans la Chambre des députés.
D'où je dis si monsieur Enol Maronet pas des charges, donc c'est faiblesse Sénat République là, parce que nous dit suivant article 243, faut que décision lie automatique. Or, automatiquement, nous parlons de vote au niveau du Sénat de la République, nous retirons automatiquement. D'où nécessité à ce que les temps de décision chambre députée pour que tout le bagaille soit fait dans la normale. Président, c'est pour c'est ça que fait agronome Mathurin, pas de chambre de charge. Il vote dans la chambre, il n'est pas arrivé à joindre des charges dans notre chambre. Donc, il n'est pas automatique. Président, automatique par un vote sous la commission. Président, la commission. C'est moi qui ai la parole, président. Président, moi poser une question. Personne ne va répondre à une question. Oui ou non? Oui ou non? Après 20 ans, au monde qui est ministre ou pas bénéficier de prescription? Je pose la question encore une fois et j'aimerais que cette question soit répondue. Monsieur, 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 monsieur. Non, non, il y a une question qui est posée. Oui. Oui ou non? Après 20 ans, au monde qui est ministre, est-ce que vous pas bénéficier de prescription? Je pose la question. Très bien. Très bien. Très bien, très bien. Et dans ce cas, président, il faut reconnaître. Dans ce cas, président, par la résolution prise par le Sénat, il faut reconnaître que le Sénat avait erré. Le Sénat avait erré. Le Sénat n'avait nullement besoin de prendre une résolution pour consacrer, n'est-ce pas, la décharge de quelqu'un qui a, suivant la loi, bénéficié de la prescription, président. Le Sénat avait erré. Donc, une motion, président. Le Sénat avait erré. Donc, quelqu'un qui a 20 ans jouit automatiquement de la prescription. Motion. Et motion de prescription. Motion, président. Une décharge. Le Sénat avait erré. On avait président, nullement besoin une motion. D'une résolution. On avait nullement besoin d'une résolution. Président. Oui. Oui. Merci, président. Pour le faire, vous devez voter. On automatique. Président, je n'ai pas encore terminé. Président, je n'ai pas encore terminé. Le collègue Latentu a dit que j'avais voté. Mais il doit s'asseoir. Je reconnais. Il doit s'asseoir. Je reconnais. Je reconnais. Je reconnais par devant le bureau. Je reconnais par devant l'Assemblée que moi aussi j'avais erré, président. J'avais erré. Président. Président. Non, président, la référence est légale. Président, la référence légale. Est très contestable et constatable. Président, président. Yuri, Yuri, qui a dit que hein? Qui a dit 40. Merci, président. La référence est légale, président. Merci. Merci président. Merci président. Président, moi crois que j'ai le sentiment un peu mitigé en prenant la parole parce que au-delà de volonté nous pour nous nuire ou bien pour nous faire un membre gouvernement passé dans notre contexte sociopolitique. Côté que je connais Jodia, les yeux sont rivés sur le Parlement pour regarder les moindres faits et gestes des parlementaires. Et par respect pour ça, m'habituer dit bon ici, à l'autre courage, moi je crois qu'il faut que nous rétablions la vérité. Président, ma parole dit là que l'argument selon lequel, depuis que tu dis les bénéficiaires, l'automatique là, mon enfer là, c'est pas vrai. Je n'ai pas l'argumentation pour ça. Première argumentation, c'est que l'ordre automatique,
c'est pas pour mon nom prendre automatique, c'est pour l'autorité désignée par la loi qui connaît l'idoué Balil. Et ça, ça veut dire. Moi, président de la commission. Premier bagage. Ensuite, quelle est la pose? Là, on dit l'automatique, c'est pas mon nom qui décide. Qu'est-ce qu'on finit? Si c'est consulté. Fontibé là, Zamim. Si c'est consulté. Depuis arrêter mon à 8h du soir, li paraît li tout sorti parce que on dit ou pas que doit arrêter mon à 8h du soir, c'est égal 6h du soir. Il va même besoin faire habeas corpus pour aller vos autorités pour la guerre. À ces premiers bagages. Deuxième raison. D'après loi Panouyo, la décharge doit être sollicitée et obtenue. Sollicitée par la personne intéressée et obtenue de la personne à qui la loi confie la charge de donner décharge. La loi doit, la décharge doit être sollicitée par la personne intéressée et obtenue de la personne, de l'autorité à laquelle la loi confie cette mission. Et autorité, ça, c'est Parlement que lié. Même que là, faut que nous fassions effort, monsieur, même dit rien encore. Et de plus, sur le dernier argument du sénateur La Tortue, qui devient support au sénateur Cantave, même le Yopavlal dans l'autre direction, on ne peut pas conclure que l'Assemblée avait erré. Ça, c'est sur le plan humain, parlementaire, et sur le plan légal, on devrait considérer ça comme un précédent. Si c'est précédent, le TSL pour appliquer, c'est pas question de erré. Merci, président. Président. Président, man d'émotion longtemps. Président. C'est moi. Nous avons tout micro baladeur, technicien, activez nous pour que vraiment ça passe. Parce que il y a une télévision, il y a une radio, il y a toute chaîne télévision ça qui là en direct, nous n'y a pas entendu rien dans la télévision. Faire en sorte et que le micro fonctionne. Faire en sorte que le micro fonctionne. Les techniciens, s'il vous plaît. Nous avons que la commission intervenu pour faire un point sur aspect ça. Comme tout de suite, on référence légale, m'a permettre que nous tendions référence légale là parce que c'est bon tout pour notre formation. Mais pas tout de suite. C'est vous qui avez la parole, président. Caméra de décharge, ça, les nous t'es accordé décharge après de 43, nous t'a dit ordonnateur et comptable des deniers publics. Les ça, peut-être tout n'est pas parlé qu'on y a là, mais résolution nous t'es prend, les ça, il n'y a pas gagné le nom, mais peut-être sur pas l'île. Nous pas de bail mounza au décharge, non? Et dans résolution, nous t'es bien dit. Nous dit mais qui moun qui bénéficie d'un rapport de carence, mais qui moun qui bénéficie de la prescription vicénale, et mais qui moun les nous analyser, nous t'a dit rapport la Cour suprême des côtés vous ben nous maintenant qui gagne des charges. C'est ça nous t'a dit dans le rapport. Oui, c'est faut que nous t'a mentionné ça. Oui, c'est pas yo nous t'a bail des charges donc. Et en plus, nous pour aller là, là faut prendre droit. Président. Motion, président, motion, président. Son motion, c'est une prise de parole. C'est une prise de parole, président. Je demande une motion. Motion sur motion, Evo. Son motion, Evo. Motion, Evo. Motion, Evo.
Motion sur motion de vous. Et sur ce qu'il dit, j'ai une motion. Non, motion sur motion de vous, ou pas la laisser ça. Ou pas même une motion d'ordre. Ou pas la laisser ça. Ou votre convini. Ou votre convini laisse ça. Ou votre convini. Eh bien, ok, je prends la parole après. Ou pas prendre parler sous votre convini laisse ça. Oui, on nous continue, président. On nous continue. Monsieur, on nous entend nous tous qui là, ces professeurs, tout les qui là, ces professeurs à l'université, professeurs de tous côtés. Pépé. C'est nèg qui compte toute bagaille. Allez, c'est allez, 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 allez. Donc c'est un ami à moi, c'est un allié. Allez, allez. Et comment on définit la prescription? M'pas quoi gagner capable venir avec définition par yo. Mais qui ça? La rousse, mais qui ça petit Robert dit, mais qui ça le lexique juridique des termes yo dit la prescription est un principe général de droit. Est un principe général de droit. Ce mot pèse lourd dans la balance qui désigne la durée au-delà de laquelle aucune action n'est recevable. Et l'aller plus loin pour il dit c'est tout délai prévu par la loi passé lequel la justice, même la justice ne peut plus être saisie. Comment nous préfère dire Mounia là, son sénateur de la République, son député qui n'ont pas saisi. J'ai pas été saisi. Moi bien dit, dans rapport m'te dressé, dans rapport commission bicamérale de déchets la TDC, nous te dit mais qui moun qui bénéficie de la prescription, mais qui moun qui bénéficie d'un rapport de carence, mais qui moun la Cour supérieure vous voyez un rapport pour yo. C'est ça nous te dit dans rapport. C'est ça nous te dit dans résolution. Hein. Et c'est ça nous-mêmes comme le tout yo te non package. Là, les nous te voté résolution, hein, et ben nous dit nous voter mais c'est pas prescription nous te voté. C'est pas prescription nous te voté. C'est pas décharge ou de bail mounio. Nous pas gagne droit bail moun qui bénéficie de prescription de charge, ça veut dire. Ça veut dire. Président, non mais dégagez-moi l'autre. Allez, sénateur. Oui, bon, oui. Gémico. Ok, allez. Président, moi sur avec un pile d'intérêt. Le débat qu'a fait là depuis combien, presque une heure de temps, s'il pas plus. Nous sommes dans 2 heures. C'est vraiment intéressant. Moi, prends note de en pile question que collègue a posé, et c'est à bon droit qu'il a posé question. Hein? Question ça, yo. Moi, penser, ce faisant, collègue répond à un pile souci qui te gagne en dans société, ya. Côté qu'un professeur de droit, des membres de l'exécutif qui t'a questionné travail nous comme parlementaires et qui t'a réfléchi sur est-ce que ne pas attribuer à nous-mêmes des responsabilités que ne pas gagner. Et tout débat ça que fait la matin après-midi a fait ouais nécessité que t'es gagné pour nous-mêmes en tant que parlementaires. Pour nous te questionner dossier ministre, pour nous te cap au moins diriger pays à vers Samtarele bon port. Moi tendez des collègues qui parlaient de questions fiscales. Nous tout qui là n'a fait droit public parce que n'a fait droit parlementaire. Droit parlementaire là c'est un droit qui d'ordre public dans la mesure où prescrit le royaume d'application de manière stricto sensu. Non, article 240-241 Constitution amendée, lui dit la loi sanctionne les infractions contre le fisc et l'enrichissement illicite. Les fonctionnaires qui ont connaissance de tels faits ont pour devoir de les signaler à l'autorité compétente. Partant de l'article 241, ça,
dans le cadre de travail que nous avons fait nous-mêmes comme commission, nous sommes obligés à regarder par rapport à l'étude que nous avons fait. Est-ce que il y a un cas irrégulier qui a une présomption d'irrégularité dans l'embagé? Et c'est là, sénateur Denius Pral pose question sous information qui relève dans un journal qui dit qu'il y a un monde qui a touché 370 000 goudes et qui déclaré 25 000 goudes. Nous même tout, dans le cadre de travail pas nous, nous te gardé par rapport à curriculum vitae chaque monde. Est-ce que histoire fiscale répétée en dans curriculum non? Qui peut permettre au moins nous ouais est-ce que Mounsa était en règle avec le fisc Jean article 241 constitution Limandil. Nous avons estimé gagner des certificats que nous avons joints côté dans certificat on met un code et depuis qu'on met code là ça veut dire une déclaration faite avec crédit d'impôt. Crédit d'impôt a vle dit, moun nan fait des déclarations, li paye plus que comme l'État doit payer. Par conséquent, l'État a doit retourner l'argent. Si c'est par exemple dans un pays comme les États-Unis, rempli là nous connaît, il parle de income tax, faut que l'État a tourné comme ça dans fin année fiscale là les citoyens. Or, le nous regarde curriculum vitae. Nous avons questionné pour nous, est-ce que le premier job ou te prend, deuxième job, troisième job, est-ce que tu payé un pour vous? Nous avons rendu nous compte, il y a des jobs qui t'ont sauté dans quelques déclarations que tu as faites. Lorsque nous avons ça, nous questionné qui a fait déclaration. Nous avons fait un pile déclaration faite dans l'agence, soit Pétionville, soit des bouquets tabac, et loi fiscale là, lui permet que vous capable faire l'annexe. Dans 400 000 goûts de piclon, l'un tel questionné, nous joignons c'est un monde qui a travaillé en dans, alors qu'il y a une unité en dans ministère finance, qui est UTE, et dans travail qui a fait, soit qui a financé par une organisation internationale qui a payé une belle somme, mais le monde a déclaré toute déclaration le fait, les scannerisés, mais DGI, la déclaration définitive, pas de rendre compte de comme perception à la source qui était faite là. Ça y est, mounan, lui fait déclaration à la source parce que le employé qui est dans le ministère finance, non, bah, écrit UTE, mais moun kap prend déclaration, pas fait état de ça, et par conséquent, nous-mêmes, nous analysons pas nous, nous questionnons, nous mettons d'interrogation, nous disons ça a mérité une analyse approfondie pour nous connaître est-ce que moun ça en règle avec le fisc. Mais, merci, président. Président, j'ai un peu de respect pour les collègues sénatus et ensemble avec tous les collègues de l'Assemblée et les commissaires qui nous estiment qu'ils font un bon travail. Même d'abord, les collègues sénatus ont évité pour que le travail soit fait, pas venir dans l'autre image du travail. Parce que généralement, collègues sénateurs, qui est ce monde qui remplit et déclaration, document déclaration définitive d'impôt, c'est citoyen lui-même. Sa faute là, c'est pas à DGI, il n'y a pas à mettre des formulaires qui annexent sans qu'il n'y a pas d'information ça dans le document qu'il remplit. Même collègues sénateurs, on citoyen. Qui ont crédit d'impôt, c'est pas un problème. Bien que nous parlons même régime fiscal avec les États-Unis, côté qu'ils sont capables toujours retourner à citoyens dans le même exercice, montant le débat en plus ça. Mais quand même, son crédit qu'il gagne, que l'État, le nouvel exercice, capable de compenser montant le débat. Là. Nous pas parler de cas citoyens ça qui bien respecter l'engagement là, avec la fiscalité, mais nous parler de citoyens, collègues. Qui nous dit dans le rapport qu'il y a des irrégularités. Et moi, je me rappelle mon collègue qui dit irrégularité, ça a eu, nous pas défini, est-ce que c'est évasion, est-ce que c'est fuite, est-ce que c'est fraude. C'est ça que nous-mêmes, nous t'arrêtons que
Parce que nous pas travail pour nous, nous travail pour la population et me penser c'est dans séance ça que nous pral permettre une correction qui fait de manière définitive pour que citoyens haïtiens connaissent que pendant qu'il a exigé même gens président commission en saut deal pour gain route pour gain de l'eau pour gain santé pour gain toute qualité ça qui nécessaire même penser c'est là occasion ça pour nous faire correction une fois pour toutes. Dans ce sens, collègues, m'a demandé pour que nous pas essayer contourner parce que nous avons un ministre là, ministre qui. Nous avons un ministre qui. Président, m'a demandé à collègue là pour retirer mon contourner. Parce que moi-même, mon travail que je fais, je prête serment sous constitution, je veux faire travail moins, j'aime de faire à la lumière de la loi. Bon, excusez, collègues, n'a pas tiré contourné, n'a pas metté, et peut-être pas erreur ou. Non, non, pas erreur. Ou bien, bon, ok, collègues, je tiré pas erreur. Une mauvaise interprétation que moi pensais qu'on fait de déclaration que un citoyen pour le remplir. C'est lui-même qui vous dit en dans déclaration mais combien le toucher. OK. Donc pas aucun document qui pourrait aller vous dire bon pas irait et DGI pas trouver ça à moins que qu'on y a gon l'autre enquête nous pourrait mener pour nous est-ce que agent DGI ça il pas de connivence avec citoyen ça pour le pas quitter citoyen. Voilà. À moins que nous font l'autre réflexion. Voilà. Bon bagage. Mais il te doit inscrire en dans document quoi. Merci. Pour dire bien. Président, je continue. M'a dit à collègue Belizer que nous-mêmes qui là nous voulons faire pays et me content moi premier ministre Henri Séan li là parce que la parlé de remé Haïti longtemps nous tout qui là nous ta doué pour sa pays ça investi dans nous remé et ce travail que nous-mêmes nous te baille tête nous comme mission en de commission pour nous faire pour nous montrer thermomètre là qui dit mes degrés chaleur là mes degrés fièvre là et pour nous chaque dans ça concerné nous à le faire travailler nous dans une perspective pour monter pays que nous besoin monter là président collègue collègue là connaît très bien que en dedans des GI yo ça le dit c'est pas ça que fait a fait c'est ou remplir formule là c'est pas vrai moi sénateur aujourd'hui là. Je fais 18 ans que je milite comme avocat. Je ne sais jamais qu'on aime rempli. On livrait avec même. Jamais. Jamais. Comment ça fait? Motion, président. Papier fiscalité, c'est compliqué. C'est des bagages très techniques. Yes. Ou capable de gagner des difficultés pour remplir. Ou prendre un technicien, mais vous êtes le responsable exclusif de la déclaration. De la déclaration. Voilà, je suis d'accord. Et même pas, je dis rien encore. Voilà, je suis d'accord. Je suis d'accord. On est responsable de la déclaration. Et c'est ça qui fait, président, débat ça qui est important aujourd'hui. L'aigle qui écrit là. Président, Mounion rempli loi fiscale loin, et c'est ça même si tout à l'heure, m'a parlé avec le sénateur Sorel Jacinthe qui boit côté maintenant. Je dis, en droit public, yo enseigne nous, personne pas qu'à réclamer tête li bénéfice propre erreur que le produit. En droit public. Jodian a dit, DGI, fais ci, fais ça. N'a dit, contribuable, fais ci, fais ça. Nous même tout. Nous faisons ci, nous faisons ça dans la mesure où nous avons un pouvoir de contrôle qui est tenu sous DGI tout. Qui va permettre au moins de questionner les actes de l'exécutif et permettre que l'État rentre l'argent, que le doit rentrer capable de permettre d'avancer. Malheureusement, chaque monde fait un peu ou quitte un peu et ça cause nous dans une situation que nous voulons redresser et nous avons essayé de poser base là pour nous redresser le jour d'hier. Président, monsieur le président. Non, pas émotion encore. Un Foucan, et Delier. Bon, président, moi je parlais de la loi constitution qui dit dans l'article 241 les fonctionnaires qui ont connaissance de tels faits ont pour devoir de les signaler à l'attention des autorités de l'autorité compétente. C'est ce que nous autres de la commission nous avons fait. Une fois nous avons des questions sous des dossiers,
nous mettons point d'interrogation sur eux, nous relais administrateur fiscal là qui est monsieur Morlon, nous dit vini ça nous estimer qu'un problème faut li al questionner avec équipe. Maintenant nous t'a regardé tout qui ça la loi dit, la loi fiscale. N'a regardé ça la loi fiscale dit. Et là président, mal nous décret dans livre. Ma privé. Oui. L'emrivé président dans décret 26 septembre 1977 là, mal gardé dans une section qui traitait impôt sur les revenus individuels sur la base de la déclaration définitive. Mal li article 103 loi et décret ça. Mais ça article 103 dit. Li dit toute fausse président suivez-moi. Président fait collègue la chita. Ça l'a fait là, oui. Oui. Allez, depuis de vous râler là, loi qui n'est ici au bouillie. Et c'est loi pour guider nous. C'est loi pour guider nous. C'est ça que fait Fonmin fait loi. Parce que nous n'avons pas bénéficié pour payer nous. Fonmin fait loi. Est-ce que vous comprenez? Président, je continue. Article 103 dit, président. Toute fausse déclaration de la part de contribuables et son loi spéciale que lié sera considérée comme une évasion fiscale et constatée par un procès verbal dressé par deux inspecteurs de l'administration générale des contributions ou par les inspecteurs assermentés du département des finances et des affaires économiques. Dans ce cas, le contribuable est passible du paiement de l'impôt et du supplément argumenté d'une amende variant entre 25 à 100% du agrément non m'abli a argumenté il dit m'abli ça même si faut qu'on fait Tabascal tout qui fait m'a fait faute oui c'est argumenté d'une amende variant entre 25 à 100. Mon cher Abdou Bagay, président Abdou, ou est-ce que si mal aime faire recherche à soi, demain si je viens là pour me dire, monsieur, m'ghetto. Mabdou, me dit, mais son loi m'appli. Président, augmenter. Augmenter. Président, aussi, augmenter. Augmenter. Bon président, avec la permission de l'Assemblée, je dis augmenter. Avec la permission de l'Assemblée. Oui. Monsieur, me dit avec la permission de l'Assemblée. Monsieur le président, il dit la sanction est prononcée. C'est dans ce cas, le contribuable est passible du paiement de l'impôt et du supplément augmenté d'une amende variant de 25 à 100% du montant du dit impôt et du supplément selon la gravité du cas. Qu'est-ce que ça me besoin de dire à collègue sénateur qui l'a? Moi-même personnellement, moi nourris le feu pour que dans le code pénal que nous avons gagné pour nous adopter ici, pour nous mettre évasion fiscale comme un crime, j'en sais dans tout le pays. Parce que l'IA normal, pour dire ce citoyen, or, constitution dit pour être un bon citoyen, il faut. Mais moi-même, je ne vais pas payer un pomme, je ne vais payer, ou bien l'homme d'a payer, ou bien valeur d'a payer. Et puis, moi, je qualifie peut-être de bon citoyen. Il faut que tu aies une poursuite pénale. Mais qui ça doit public l'a dit? Il dit, ou bien l'ex non distinguit, non nec nos distinguerait des bébons. Côté la loi pas distinguer, ou pas qu'à distinguer. Et qui est-ce qui a appelé pour faire la loi? C'est nous-mêmes. C'est ça que fait le président dans le rapport. Nous te tiens à ce que pas une émotion encore. Pas émotion encore. Et ça que fait le président dans le rapport. Nous-mêmes, nous demandons à toute commission pour nous-mêmes, comme assemblée de parlementaires, pour nous prendre note de vite ça. Parce que sa loi, ça que me raléa, l'idée était 1977. Et son décret
Un pays a un parlement fonctionnel. C'est pour nous, ouais, côté de faire faute nous-mêmes. Nous prenons note de ça. Yes. Donc, oui. Il n'y a pas de motion, il n'y a plus de motion. Donc, la commission avance, la constitution et le décret en main pour me dire à collègues parlementaires, attention, nous pas qu'à dire n'a bénéficié pour faute nous. Lorsque nous là, nous pas faire loi sur le domaine fiscal là, qui pourta au moins corriger. Parce que légiférer, c'est pas venir avec nouvelle loi seulement. Ou qu'à venir avec des lois pour réviser des anciennes lois. Mais c'est pour modifier les anciennes lois. Nous pas faire ça, président. Puisque nous pas faire, nous pas qu'à dire, nous capables de bénéficier de propres fautes nous. Deuxième remarque que je veux faire, président, c'est sous question prescription. C'est la commission. Président. Ouais, mais c'est commission. Président. Je prends deux motions sous lui. Non. Président. S'il vous plaît, on mise au point, s'il vous plaît. Président, faut commission attendre nous. On mise au point. S'il vous plaît, sénateur. S'il vous plaît. Donc, mise au point que nous avons fait là. Président. Nous avons même commission. Nous avons une commission qui a intervenu, qui a porté précision. Et sous même commission qui a la parole, il fait deux motions. Il faut quitter même commission fini pour nous passer la parole à le prochain monde qui était inscrit. Et le prochain monde qui était inscrit, c'était sénateur Latortu. Président, deuxième. Assemblée a toujours apprécié. Mais il faut me lumière. C'est vous êtes même. S'il vous plaît. Les goûts limites, président. Les goûts limites. C'est ça. S'il vous plaît. Sénateur. Je termine, président. Je vais terminer, président, en disant. Je vais terminer en disant. Que dans la question prescription que le sénateur a fait encore, là encore, principe de droit général, ça. Sénateur Kedle Augustin, qu'on est bien, nul ne peut bénéficier de ses propres erreurs en droit public. On va pas dire que c'est Parlement ou c'est Sénat. La Cour supérieure des comptes, c'est lui qui se bras technique pas qui poutrait et de travail. Ou quitter 20 ans par son citoyen fin de servir pays. Motion, président. Nous n'avons pas eu encore. Pas fait ça. Président. Deux motions. Il est bien. Président, pas qu'à Québec. Nous avons compris deux motions. Président. Mais c'est deux motions. Vous prenez sous lui. Président. Sénateur Sénatus. Sénateur Sénatus, vous avez 30 minutes pour conclure. Président. 30 secondes pour conclure. S'il vous plaît, 30 secondes pour conclure. D'abord, 30 minutes, vous parlez net. Toi, tu joues à voisine à 70 liés. 30 secondes pour conclure. À 70? Oui. Oui. Alors, président. Non, c'est fini. Non, mec, on fait lumière. 30 secondes pour conclure. Donc, lumière ayant été faite sur. Alors, la loi de 77 ayant été appliquée. Non, Kassa, c'est ça que fait commission. Hein? Les recommandés à l'Assemblée, sous Kassa, c'est un cas qui est épongé. Maintenant, sous question, prescription. Hein? Deux principes que nous devons kembe. C'est que la prescription fait naître un droit ou fait perdre un droit. La prescription fait naître un droit ou fait perdre un droit. Non, quand on moun quitte, non. Fonction publique, la Ligue en lettre pour montrer qu'il est allé. Constitution en parle, il dit, les gens dans fonction publique, la plus grosse infraction qu'on capable de produire, c'est l'enrichissement illicite. Il dit, bon, à partir de 20 ans, il n'y a pas qu'à poursuivre vous pour infraction ça encore, puisque l'accessoire suit le principal en droit. L'accessoire sur le principal. Peine non, c'est l'étape accessoire par rapport à gestion ou non. Yo dit ou bénéficier de yon prescription capable de permettre ou libre. Maintenant, la prescription est incontestable et constatable aussi. C'est peut-être ça, la Cour supérieure des comptes, livre un papier bas pour dire moun sa yo, à son avis, yo gen 20 ans déjà et par conséquent, yo dépassé. Maintenant,
la confirmation. Il faut conclure. Je conclue, président, pour dire si on mette en prison, il y a un juge qui mette en prison. Il mette en prison pour 4 ans. M'rive 4 ans un jour. Yo pas mettre m dehors m ka pété pour la sortir pas ka poursuivre pour évasion. Yo pas ka poursuivre pour évasion parce que contre président la répression et l'arbitraire, yo toujours aller en face prescription. C'est pas yo et pas moun non qui t'a doué lui même min dit bon papier, c'est ou pour bal papier. Donc maintenant on pas ka dire monsieur le président bénéficier de propre fortune en droit. Même monsieur président, là nous sommes en droit public et puisque nous en droit public, nous avons un espace de président, débat. Il y a des étudiants qui nous suivent. Il y a des étudiants qui nous suivent. Il y a des professionnels qui nous suivent. Et peuple il y a le dit. Peuple qui nous suit actuellement. Nous, comme scandale que nous avons offert. Maintenant, on nous garde ensemble. Qui ça la loi dit? Et si la loi n'est pas bon, c'est pour nous venir travailler ici à de 8h à 4h pour nous corriger. La parole, c'est fini. Merci, la parole au sénateur, la tortue. Merci, président. Merci, président. N'a pas salué. Président. Merci, président. Monsieur. Nanel, Kidem Chida. Nanel, vous êtes bon. Président. S'il vous plaît, ma prête en précision. 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 C'est un beau plan. Nous gagnons dans la liste. Je note pour vous. Je note pour vous. S'il vous plaît, il y a ma prête liste pour nous quatre qu'on est côté de prendre la parole. À partir de moment ça, nous retirons toute motion. Nous gagnons le sénateur La Tortue, sénateur Cadeau, sénateur Kidley Augustin, sénateur Nenel, sénateur Cherami, sénateur Delva, sénateur Beauplan, sénateur Jacinthe et sénateur Ricard, capé, fermé, chapitre. Non, sénateur, vous êtes inscrit sénateur Dumont. Non, c'est pas moi qui note, c'est le premier secrétaire qui note. Ok, on note le sénateur Dumont pour nos clos chapitres. Plus de motion et puis minute. Temps. Non, ne pas prendre motion encore. Parce que débat ça. Faut que nous fermions débat ça. Juste. Non, certainement, très certainement. Commission a plein droit, les mêmes. Président, très bien. On peut sénateur. On peut réduire la motion à une motion, pas, mais okay. Au moins. Parce que s'il y a quelque chose à corriger, président, très une bien. Motion. La commission a intervenu pour porter précision. Adressez-vous à la commission pour commission capable de même porter précision. Merci, président. Sénateur La Tortue. Merci, président. Président, moi t'ai dit, moi t'ai intervenu sous référence légale. Et, président, commission qui travaille pour nous, moi l'antigen parler en pile. Parce que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément, disait Boileau. Président, moi, commission fait un gros erreur. Parce que référence légale, sénateur, sénatus prend, c'est loi 1977. Alors qu'il y a un décret de septembre 2005 parlant de la fraude fiscale. C'est-à-dire, la commission n'a pas utilisé la bonne référence. Non, c'est un décret loi. C'est un décret pris sous le gouvernement de transition qui a force de loi. Donc, ils ont tout négligé, président. Pratiquement, président, donc, c'est le décret qui traite. Ce n'est pas la loi de septembre 1977 qui a été justement abrogée par le décret de septembre 2005. Donnez l'article 57. Et en tant que bureau, vous avez tous les moyens pour vérifier. Article 57, décret 20 septembre 2005. 2005. L'article 3. Écoute. Sénateur, vous n'avez pas la parole.
Président, demandez au sénateur de se taire. Sénateur Kester, taisez-vous s'il vous plaît. Merci, président. Sénateur La Tortue, continuez. Merci. Président, nous dans le Sénat, côté que en pile a critiqué nous. Là, nous avons un débat, nous sommes sérieux. Même si nous avons des opinions diverses, contraires, il faut respecter l'autre et il faut que nous baillons temps pour l'autre valide. Intervention à faire là contre tout ministre qui l'a eu, pas rien de personnel. Mais nous-mêmes qui l'a, nous sommes les sages, les pères conscrits, les vigies qui gagnent pour contrôler et pour rien pas passer. Donc, président, moi dis commission, il y a un décret de septembre 2005 qui traite la fraude fiscale. Maintenant, président, sur la question de décharge, pas de aucun côté, ni dans la Constitution. Il n'y a pas de motion. Il prend une motion, président. Il faut que le sénateur Laporte nous dise clairement quelles sont les dispositions du décret de 2005. Sénateur Cantab, vous n'avez pas la parole. C'est le sénateur Latortue qui a la parole. Il a évoqué l'article 57 de ce décret. On attend la lecture. Septembre. Intégrale de cet article. Article 57. L'article 57. Du décret de 29 septembre 2005. Maintenant, président, au niveau de la décharge, pas gagné ni dans la Constitution, ni dans la loi, côté au parler de décharge automatique. Sénateur Sénatus parlait de principe. Dit bien qu'on est. Dans les HD normes, le principe vient complètement en bas. Là, nous avons la Constitution qui parlait de décharge pour ministre. Et mais ça, la Constitution dit. Il dit, en vue d'exercer un contrôle sérieux et permanent des dépenses publiques, 233, il est élu au scrutin secret une commission parlementaire de 15 membres, 9 députés et 6 sénateurs chargés de rapporter sur la gestion des ministres pour permettre aux deux assemblées de leur donner des charges. Donc, président, nous t'ai fait un rapport justement qui t'est transmis dans le Sénat et même rapport ça a été donné à la Chambre des députés et les deux assemblées doivent donner des charges. Pas gain aucun autre côté. Que ce soit dans la Constitution, que ce soit dans la loi, dans le cadre des lois nationales qui parlaient de décharge automatique pour le cas de décharge. Et ma petite commission, l'IRE dans ce sens-là. Président Motion, la commission. Pas de aucun la, côté. La commission, président. La commission, président. Pas de. Mais. Président de la commission. Vous défendez quoi? Il a la parole, président. Président de la commission. Ou bien, venez nous rejoindre de l'Assemblée. Mais venez de l'Assemblée. Président. Président de la commission. Dites au sénateur de s'il vous plaît, calme. S'il vous plaît. Le sénateur de la Tortue a encore la parole. Merci, président. Président, pas gain aucune loi, pas gain aucun article dans la Constitution qui parlait de décharge automatique en cas de prescription. Constitution dit qu'il y a une commission qui est formée qui doit avoir un rapport afin de permettre aux deux chambres la commission, président, de donner des charges. La commission, ceci, président, c'est la Constitution, c'est un article, nous sommes en droit public, pas qu'il y a aucun principe. La commission, président. Pas qu'il y a aucun arrêté qui a vini justement pour mettre ça en doute. Non, non, ça, président. Commission, président. Je conclue, président. La commission, la commission, motion, président. La commission, président. Président, la commission, motion, président. La commission, je conclue. La commission, président. La commission. La commission, président. La commission, s'il vous plaît. La commission, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La commission, président. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Permettre que vous faites motion parce que je conclue, motion, président. Motion, président. C'est un droit général, collègue. La commission générale de droit. S'il vous plaît. Écoutez, sénateur, sénateur, vous êtes membre du bureau. On parle de constitution, on parle de droit. Président. Sénateur Kester, vous êtes membre du bureau. Mettons l'on Dieu, pas fait ça. Tout ça applique, on parle des prescriptions. Sénateur, la commission. Président, motion. On applique pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Président, s'il vous plaît. Président, commission, gagne pour devoir. Ou bien le rester là comme membre du bureau, ou bien le descendre dans l'Assemblée à le défendre, rapport là.
Bon, président. Al défendre rapport là dans l'Assemblée. La commission, président. Parce que moi, je défendre rapport, mais elle défendre en bas. À titre de président. À titre de président de commission. L'offre défendre la remonter encore. La commission, président. Très bien. Nous gagnons. Oui, oui, président. S'il vous plaît, sénateur. Permettre que nous gagnions sénateur. Permettre que nous gagnions sénateur Kato qui dit on motion. Oui, oui, motion, motion, président. Et puis la commission à travers le sénateur Sidon. Mais beaucoup conclu, non? Non, après ça, on va conclure. Président. Président. Jodi, nous connaissons moi-même, c'est comme ça que je toujours approche. Approche-moi, c'est comme ça que je toujours. Population a gardé nous. Nous avons taxé. Jodi, il est clair depuis qu'on ne pas payé impôts ou son délinquant fiscal. Nous t'ai parlé, tout le monde t'a parlé bien fort de Jacques Guy Lafontaine qui n'a pas payé impôts. Est-ce que je menti? Tout le monde t'a critiqué chaque jour. Qui changement qui est arrivé aujourd'hui là et puis vous senti un mouvement qui a fait pour nous casser faire et couvrir ça. Ça c'est yon. On va faire un petit exercice tout petit avec la population qui a gardé et nous-mêmes qui l'a tout. Non dossier est en cours. Attendez, non dossier est en cours, dossier Petro-Caribé. En motion, oui. Oui, son motion. En motion sous nous, point. Nous dit, nous voyons le bail coup de compte. Ça veut dire, c'est le Sénat qui voyait aller dans le coup de compte. Eh bien, dans le cas de charge là, lui-même, qui s'allie? Nous avons venu, lui demander des charges là. Sénat a pour écrit coup de compte, pour le demander, ça doit, ça l'a besoin. Pour qui s'ajoute à ce coup de compte qui a voyé bail nous? Et puis nous chita sur lui pour nous dire qu'il est déjà capable, il est ministre. Ça veut dire que dans le cas, c'est nous qui voulons aller. Mais dans le cas, ça, c'est lui qui voulons aller. Qui ça pour la population qui est là? Qui j'en sais? Expliquez-le pour moi, commission. T'en prie. Commission, président. La commission, président. S'il vous plaît. La commission. La commission, président. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Commission a été demandé la parole déjà à travers le Sénat. Oui, mais le sénateur Sidor, membre de la commission, avait sollicité la parole bien avant vous, sénateur. Je sais, mais d'abord le sénateur Sidor. Sénateur, s'il vous plaît, sénateur Sidor. Mais avant sénateur Sidor pour la parole, s'il vous plaît, sénateur Kato. Sénateur Kato. Sénateur, cher ami, avant même que nous baissions sénateur Sidon la parole, n'a précisé que ce n'est pas Cour des comptes qui écrit nous, qui dit nous, non. Le concerné avait déjà adressé pas mal de correspondances. Aude. Président, président, bien là, bien président, le président parle maintenant. La Cour des comptes. Le concerné, s'il vous plaît. Le concerné avait adressé pas mal de correspondances au Parlement pour solliciter des charges. Pardon, président. Concerné, oui. T'as écrit pas mal de correspondances. T'as envoyé pas mal de correspondances par le Parlement. Oui, pour demander des charges. Après 20 ans. Nous avons Mathurin qui a 23 ans, président, il y a Balkaner parce qu'il est inscrit dans le CEPA. Parce que. Avec 23 ans, il y a Balkaner. Parce que. Oui. S'il vous plaît. Ça veut dire, s'il président. Vous plaît. Sénateur. Non, mais il faut que nous posions des problèmes. Il faut que c'est tout le bagaille sous table, président. Est-ce qu'on finit, sénateur? 23 ans, Mathieu Tegué, yo Balkaner. Très bien, sénateur. S'il vous plaît. Nappé, comme on aborde des questions, ça. Hein? Oui, président. Et que tu es capable de parler ton dossier intéressé. Non, président. Non, s'il vous plaît. Par respect que je pour président, jamais. Je préfère pour Bibou, réponse ça, m'baï sénateur, Dieu puis répondre. JB? Merci, président. M'a profité pendant que je parle. J'ai demandé la parole. Oui, c'est là. C'est entre nous, mais qu'est-ce que vous dites là comme ça, vous plan? M'a profité pour me dire que normalement, il y a des hommes qui sont capables d'argumenter dans les deux sens. Peu importe le sens que vous voulez,
vous voulez faire paraître la vérité dans ce sens. Je crois que faut nous prendre précaution dans ça pour que discussion à faire nous pas faire un paquet de temps passé pour grand merci. Moi avant de venir sur sénateur cher ami m'a permettre que me dit que nous connaît très bien. Là où dit on baillon mon en décharge ou pas faire analyse pour joindre si toute bagaille droite et dans le cas contraire ou pas balle décharge qu'on y est là ou balle on arrête de débat. Là, on a décidé, on a analysé. Là, on a parlé de presque. Qui m'a dit de débat? D'accord. Qui m'a dit de débat? Non, pas nous-mêmes, on a parlé. Non. On ne va pas parler de nous-mêmes. On a parlé de la Cour supérieure des comptes. Non, mon cher, c'est mais écoutez, je parle. Mais je parle, beau plan. Ouais, ou qu'a fait aller dans la direction, vous voulez. T'entendez ça, Nabdia? Oui, président, collègue là. Collègue là en direct. Collègue ou en direct? Ou en direct, collègue? Ah, monsieur. D'accord, je sais. Le, ou prend, c'est ou même qu'a banalisé, ou fait. Laissez prescription, et pas ou baïno, moun nan genyel. Puisque vous êtes une institution, vous avez constaté les gagnants. Et nous comptons ça très bien. Je vais clarifier pour Kato, pour le sénateur, cher ami, dans le cas de. Vous mettez les Kato, collègue. D'accord, je vais pour vous amener le Kato, mais formellement, sénateur, cher ami. Je vais clarifier pour vous, dans le cas de Gérald Mathurin. Cour supérieure des comptes écrit un premier document, vous voyez dire qu'il y a une prescription parce que vous pensez qu'il est arrivé 20 ans. Rapidement, vous courez écrire un autre document encore pour vous corriger parce que vous dites, wow, c'est 19 ans, il n'y a pas 20 ans. Parce que vous connaissez, si vous quittez le document qui dit qu'il y a 20 ans, vous pouvez bénéficier de prescription. Vous courez écrire un autre pour corriger. Donc, pas dire qu'il y a 23 ans, c'est faux. Président, comme il y a adressé à 20, je vais dire la parole. Nous avons par exemple Gérald Germain. Il y a Sénat déjà qui votait pour lui. Le fait que chambre basse là-bas, pourquoi j'aime. C'est pas la même chose. Ça, c'est des charges. Et même les gars, des charges. Ministre, c'est des charges, besoin. S'il vous plaît. Merci bien. C'est à toi, cher ami. C'est bien. Ministre, non, c'est des charges qu'il a besoin. Il a voté dans le Sénat, qu'on y a arrêté pour voter dans la chambre basse. Alors, sénateur. Parce que vous pouvez voter dans la chambre basse là, vous pouvez avoir un carnet de charges là. Ça fait nous clair sur lui, président. Bien, nous n'avons pas de problème jusque là. Merci, président. Sénateur. S'il vous plaît. Dans le cas Gérald Mathurin, il pose. Cas Gérald Germain, son autre cas. Pour être qui ça, parce que lui-même, il y a un rapport favorable de la Cour. Et Sénat, le premier vote là qui a accordé le décharge là, la Chambre des députés pour qu'on prononce le souli, mais cependant, l'hypoco complète période 20 ans. Ça veut dire qu'il n'est pas dans la prescription. La président, parole au sénateur Sildor. Président, merci. On a parlé des décharges, président. Président, merci. Merci, président. Sous question de décharge là, je voulais porter une petite précision pour le sénateur. Président, sénateur la tortue. Sous question de décharge là, je voulais porter une précision à ça, sénateur la tortue dit, à ça, sénateur cher ami Kato dit. Il faut essayer de clarifier là avec deux correspondances. Là, yo. Grand première correspondance qui écrit et c'est président sénateur Lambert qui écrit. Et l'écrit à M. Nol Joseph pour dire suite à vos démarches auprès du Sénat. C'est-à-dire que. Et notre Joseph, monsieur Enol Joseph, t'es fait démarche auprès du Sénat. Pour demander décharge de votre gestion, comme ministre, etc. Deuxième paragraphe l'a dit, suite à la correspondance de la Cour supérieure des comptes. Et correspondance Cour supérieure des comptes datée de 2016, l'y adressé au président Larèche, président Haï du Sénat. Qui dit comme ça? Hein?
La presse, le presse, le... Et la Chambre des députés. Mais attendez, attendez. La présidente du Conseil de la Cour supérieure des comptes du Conseil administratif présente ses compliments, etc., au Sénat de la République, et a l'avantage de lui rappeler que conformément à l'article 243 de la Constitution de 1987 amendé, et l'article 22 du décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la Cour supérieure des comptes, l'institution de contrôle dispose d'un délai de 20 ans pour procéder à l'appurement des comptes des comptables publics. Au-delà de cette période, les responsables concernés ne sont plus sanctionnables pour les fautes de gestion qu'ils auraient commises. En conséquence, président, toute démarche de vérification des comptes de 20, vieux de 20 ans ou plus président, se révèle inutile puisque sans effet. Vice-président. Mais attendez, de ce fait, la Cour vous transmet une liste d'anciens ministres qui se retrouvent dans les conditions définies par les textes cités et qui bénéficient de plein droit de la prescription vicénale qui autorise à lever de leur hypothèque. Oui, ça signifie que président. C'est sur liste ça, dans liste couchée d'un côté adressé, que nous joignent effectivement docteur Enoch Joseph Ladan. Et sous base ça, regardez. Nous faisons pression au Sénat là, le Sénat a accordé. Oui. A accordé et. Décharge. Le Sénat. Le Sénat dit que docteur Enoch Joseph jouit de prescription vicénale. Très bien. Et la Chambre des députés. Président. Président, je merci conclue. Beaucoup. Président, je conclue. Sénateur La Tortue. Je conclue, président. Je conclue pour une minute. Une minute. Merci. Non, on peut conclure. Il y a des motions sur lui. Motion sur lui. La fini. Une minute. Président. La question de Enoch Joseph n'est plus question d'argent. Get. Sénateur. Président, question après du calme. Une minute. Oui, président. Vice-président, au fond, oui, ouais. Le ministre n'est pas un fonctionnaire. L'article 243 parle des fonctionnaires. Il faut éliminer ça dans la correspondance. Le ministre n'est pas un fonctionnaire. On parle des fonctionnaires qui bénéficient de la prescription vicénale. Sénat, c'est un haut lieu. C'est des pères conscrits qu'il a. L'un a dit des bails, faut nous exact. Et population capsule, nous, il faut le connaître. Il a parlé des fonctionnaires. Le ministre n'est pas un fonctionnaire. Voilà. Le ministre est un dignitaire. Donc, article ça n'est pas concerné du tout ministre. Mais article qui concerne le ministre, c'est 233, qui dit qu'il y a une commission bicamérale et c'est deux chambres qui baillent des charges. Yon, deuxièmement, président. Ah, président. Président, bon, qu'on finisse conclu ou moi, minute, président. Deuxièmement, président. La question nous t'est posée, yo. Nous demandons liste monde qui commettent irrégularité aux commissions pour que j'en baille. Et me profiter tout, demander commission pour me finir, président, même référence légale côté dit en matière de prescription, la décharge est automatique. Moi, baille référence Pamela, constitutionnelle, moi t'arrive avec commission, même référence là. Merci, président. Monsieur le président, je voudrais demander au sénateur la tortue de nous dire aussi, côté dit, il y a monsieur. Il y a 20 ans. Est-ce que les baguettes de charge, faut pas qu'on dit là? Non, c'est où dit? Non, faut dire tout qui va. Non. On a dit là, on a dit de charge. Voici. Nous dit qu'on a dit de charge. Nous vous invitons. Oh, il est la mission universelle. Président. Depuis que on vous dit 20 ans, oui, pas nous, on refait là. Voici ce que dit. S'il vous plaît. Voici ce que dit la Constitution. La Constitution est claire. Gagné en commission qui formé, qui fait un rapport et deux chambres de bail des charges. Donc, l'interprétation est stricte. Nous sommes en matière de droit public. Le bureau. Sénateur, bureau. Bureau. Il faut le constater. C'est dans la commission. La commission, président. C'est la commission qui parle. Un membre de la commission qui parle. S'il vous plaît, n'a pas accepté. Gagnez des dossiers.
bureau va trouver lui dans pénible obligation pour le mettre en fin à débat ça. Président, la commission président. La commission. Majorité sénateur qui prend la parole, il dit presque même bagaille. Pour qui sa commission n'a pas quitté 5 interventions faites après que la commission est venue? Au lieu après chaque intervention, la commission est venue. Président, on a perdu trop de temps. C'est même bagaille que la commission dit. C'est nous besoin de lumière sur le rapport. La commission connaît ça l'écrit déjà. Permettre nous questionner le rapport là, et puis la commission a pris 2-3 réactions. Mais c'est nous qui devons poser des questions. C'est pas la commission qui a été venue tout le temps. La commission a été travaillée pour l'Assemblée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la commission. Très bien. Président, parle. Quel est le décérébration? Vous parlez de pollution cérébrale. Le par exemple, au monde fait une intervention, au deuxième fois intervention, au troisième fois intervention, il y a un complot de faire, automatiquement tout le monde qui a regardé, il croit que l'intervention, ça c'est la vérité, il pollue les gens, il faut des célébrations pour nous. C'est ça fait important pour que la commission intervienne chaque fois que on voulait intervenir erré. Pour que la population ne soit pas errée avec le premier service président. Les commissions ont mis nous dans le trou. Ceux qui se conçoivent bien, s'énoncent clairement. Ça va pas bon. Pour dire deux bagailles. Premier bagaille, président. Président, commission travaille pour nous. Commission est pour nous travailler. On ne peut pas prendre la parole comme ça, c'est un cher ami. Laissez le terminer. Mais ok, ok, d'accord, président. Mais nous parler, commission travaille pour nous, président. S'il vous plaît, commission laissez le terminer. Commission va travailler pour nous, président. Et vous, ministre, le travail. C'est lui qui a la parole. C'est le sénateur Cantave qui a la parole. Sénateur Cantave, vous terminez. Une minute. Et Bureau va trancher cette question ça. Parce que nous ne pouvons pas éterniser nous, ne pas prêter là jusqu'à minuit, soit aspect ça seulement. A un débat. Président, et nous voulons les deux bagages. Deux bagages. Premier sénateur, il dit, président, c'est que vous jouez la gloire au Dieu. Il dit que nous quittons le festival, nous tombons dans l'accessoire. Quand je dis là, c'est pas là pour nous ratifier, président. Nous allons ratifier déclaration politique générale pour le ministre. A fait ça. Donc l'idée principale, nous tombons dans l'accessoire. Bon, et c'est ça fait 4 ans à discuter de l'accessoire, alors que nous quittons le principal à côté. Ça fait un. Alors si on dit bon mon ministre, il faut le remplir conditions ça, c'est pour dire qu'il doit sanctionner. Président, il va jamais sanctionner la bon là, il va jamais voter la bon là, suivant volonté constitution. C'est la responsabilité générale qui va conformer au président. Article 233 Constitution. Qui c'est article 233 qui président? Article 233 président dit que en vue d'exercer un contrôle sérieux et permanent des dépenses publiques, il a tenu au scrutin secret au début de chaque session ordinaire une commission parlementaire de 15 membres dont 9 députés et 6 sénateurs chargés de rapporter sur la gestion des ministres pour permettre aux deux assemblées de leur donner des charges. Aux deux assemblées. Deux. Maintenant, je vous pose la question. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Est-ce que le Président. Monsieur le Président. Non, le sénateur Sénatus n'est pas capable de bénéficier de motion 1 parce qu'il est membre de la commission. La commission enchaîne. Ouais. La commission enchaîne. Non, ben, la commission ne veut pas monopoliser aussi la parole. Non, c'est justement pour m'ajouter un bail. Non, ça, c'est commission, oui. Très bien. Commission à. C'est pour m'ajouter, oui. Sénateur. Président, qui ça nous devait ajouter? Allez-y. C'est que nous, en droit public, et là, nous, en droit constitutionnel, dit président, il y a une commission, et c'est ça nous a dit à l'heure, nul ne peut se prévaloir le bénéfice de ses propres erreurs en droit. Jusqu'après, ça ne peut pas avoir une commission bicamérale, là, nous, président. Jusqu'après, ça ne peut pas avoir une non. L'absorption des mounes, ça va faire une sanction des têtes, non. Formons
nous reconnaître que nous avons tort. Donc tout le monde a des charges. Mais ça, tout le monde a des charges. Tout le monde a des charges. Tout le monde rassemblé. Tout le monde a des charges. Vous pouvez le mettre maintenant. Tout le monde a des charges. Tout le monde a des charges. Vous pouvez le mettre maintenant avant, non? Sénatus. Vous pouvez le dire d'accord maintenant. Sénatus. Vous pouvez le mettre maintenant là-dedans. Sénatus. Tout le monde a des charges. Je viens, laisse-moi venir. Je viens, laisse-moi venir. C'est un leader. Président, le sénateur quand t'as vient. Président. Président. Sénateur Cantaf qui a la parole. Très bien. Les finis, président. On peut mettre en charge maintenant au niveau de cet article. Maintenant, la question que je pose au sénateur Attentu, au monde qui bénéficie de prescription, a-t-il besoin de l'échange? Auquel cas, oui. Auquel cas, a-t-il besoin de moi, ça n'est pas valable pour citoyen de la palais à là. Parce que quelqu'un qui a 20 ans, quelqu'un qui bénéficie de la prescription, on ne peut pas demander d'échange pour cette personne. Auquel cas, cet article ne tient pas. Pourquoi? La personne, non, n'est-ce pas, tout au parle. Pourquoi? Parce que la personne a déjà 20 ans et la personne bénéficie de la prescription. Nous avons parlé de visionnel, si nous parlons de l'échange, nous avons parlé de monde qui peut gagner 20 années, qui peut bénéficier de prescription visionnelle. Auquel cas, cet article ne tient pas. Deuxièmement, donnez-nous la référence légale. Président, je parle. La référence légale. Deuxièmement, la référence légale. Pour le finir, deuxièmement. Éteins le micro, s'il vous plaît. Éteins le micro. Sans toi, sénateur Attentu. Le décret que sénateur Sénatus fonctionnera. Il y a des listes ministres pour faire quoi? Pour que vous demandez que ministres pour demander au Pacala. Or, venons lire l'article 103, président. Ça, article 103 dit. Article 103 dit. Toute fausse déclaration de la part de contribuables, je vais en boire, je vais boire de l'eau. Toute fausse déclaration de la part de contribuables sera considérée comme une évasion fiscale et constatée par un procès verbal dressé par deux inspecteurs de l'administration générale Jeunet et des contributions ou par des inspecteurs assermentés du département des finances et des affaires économiques. Dans ce cas, en cas que l'on dit qu'il y a évasion, dans ce cas, le contribuable sera passible du paiement de l'impôt et du supplément augmenté d'une amende variant de 25% à 100% du montant du dit impôt ou du supplément selon la gravité du cas. La question que je pose maintenant, Mouno a critiqué qui dit qu'il fait faux dire. Est-ce que je dis à nous une preuve pour nous montrer que Mouno Sayo n'a pas arrangé déjà? Est-ce que nous avons des preuves pour nous montrer que nous n'avons pas arrangé suivant les règles de l'article 103? Mba quoi, commission a fait ça? De l'article 103. Commission a pas fait ça? Non. Président, je parle, président. J'ai pas encore terminé, président. Mais j'ai pas encore terminé. Je parle. Pas fait ça, s'il vous plaît. Président, il dit que l'article 103, moun qui fait évasion fiscale, yo supposé qu'il y a une amende, yo payé. Est-ce que je dis là? Oui. Nous avons des preuves pour nous dire que ils ont pas payé. Président, j'ai la preuve. Ça fait un. Président, j'ai la preuve. Président, la lettre de la DGI. Je vais donner lecture. Le rapport est là. La DGI a précisé que vous payez. Nous n'avons pas de preuves que vous n'avez pas payé. Le rapport a dit. Président, la lettre de la DGI. Oui, DGI dit vous payez. Oui. Ce qu'a dit le rapport. Mais DGI n'a pas dit vous n'avez pas payé. DGI dit vous payez. Complètement. Oui, ils ont mangé des recettes importantes. La sanction a été appliquée. Eh bien, à ce niveau-là. La sanction a été appliquée. La sanction a été appliquée. Que le rapport? Oui, c'est ça. La sanction est appliquée. Donc le vœu de la loi est rempli. Le vœu de la loi est rempli. Merci. Président, s'il vous plaît. Voici la preuve. S'il vous plaît. Le sénateur Cantave. Vous terminez, s'il vous plaît. Nous avons le rapport, président. Président, voici la preuve. Nous avons le rapport. Nous allons rentrer dans le rapport. Que dit le rapport?
le rapport que nous sommes en train de sanctionner. Président, allez-y, face à cette situation, sur la situation fiscale, la commission a sollicité l'explication des cadres de la DGI, qui après vérification complémentaire, ont constaté des irrégularités quant à leur déclaration définitive d'impôt. C'est pourquoi les ministres concernés ont été appelés par la DGI afin de venir fournir des explications supplémentaires. Celles-ci ont conduit au redressement de leur situation fiscale et à l'application d'une amende telle que prévue par la loi. Telle que prévue par la loi. Donc voici la preuve. Donc, à partir de ce moment, on est en droit de dire que, au niveau de DGI, conformément à l'article 103, ils se sont arrangés. Qui ça la preuve, bonjour là, président? Après la preuve. Ils se sont exécutés par rapport à la loi. La loi a demandé qu'on fasse une chose et au regard de la loi, ils se sont exécutés. Donc on peut ils se sont exécutés. De quoi est-ce que on reproche ce ministre? Donc président, on peut ne pas payer. On reproche ce ministre. On peut toujours. La loi avec moi. On peut toujours payer. De toi, de. On peut. Du décret. Président. De 1977. Président. Dans l'article 103, il est clairement dit que si mon nom. Mais évasion fiscale, il fait. Il est fraude par exemple. Il est fraude fiscale. Il est fraude. Fraude. Mais ça, la loi m'a donné pour le faire. Elle seule. Mais ça, la loi m'a donné pour le faire. Président. 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 Sénateur. Commission. Président, la commission. Collègue, oui. Président, la commission. Pas oublier que dans sous-commission. Président, la population n'a pas besoin de payer taxes. Monsieur. Pour le travail sous dossier, ça. Président, président, il est important pour nous protéger. Nous ne pouvons pas garder fond, nous ne pouvons pas payer taxes. Il y a une perception négative. Président, nous ne pouvons pas garder fond, président, nous ne pouvons pas payer taxes. Et moi-même, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que c'est une perception négative qui a dégagé sous commission. Nous-mêmes, c'est clair à la page 6 du rapport, deuxième paragraphe, nous bien dit, nous dit que suite à le fait que nous sommes plusieurs certificats mentionnés crédit d'impôt, ça a suscité attention nous pour demander au directeur général. Gemagoui, président. Président Gemagoui, non, mais à partir de la vérification, il y aura manqué. Mais tout est là. Les pièces justificatives sont là. Nous ne parlons que travail ça que différents collègues ont fait dans cette population. Nous ne parlons parce que nous-mêmes, généralement, depuis que nous avons un certificat, il est passé. Nous-mêmes, dans la commission, nous disons qu'il faut un travail approfondi. Et au regard de l'article 1581, nous faisons un travail approfondi qui permet d'une part de mesures de redressement. Je veux continuer à parler. Président, j'ai la parole. Nous ne pouvons pas défendre les gens qui ne payent pas les taxes. Nous ne pouvons pas défendre les gens qui ne payent pas les taxes. Nous ne pouvons pas défendre les gens qui ne payent pas les taxes. Je donne. Nous venons par le principe là, je l'y ai. Moi, je voulais clair. Le bien, pas payer taxes. Pas de personne qui dégage. C'est une fausse déclaration. Ceci avait été clair. Nous devons bien dire. Tout le monde devine avec pièce. Nous devons aller approfondir le rapport là qui permet que la direction générale de GEI puisse nous président, président, faut commission accepter que. Commission, monsieur Damien. Président, commission, pas cap de fond. Monde qui pas payer taxes. Nous ne pouvons pas faire des populations. Vous ne voulez pas leur donner des charges. Je dis à vous, qui avez 20 ans prescrit. Et puis, les jeunes qui sont coupés. À la sensible. Les jeunes cadres de ce pays. Jeunes femmes, jeunes personnes. Est-ce qu'il y a une sa vie pays? Au monde qui est ministre pour 2 mois, 3 mois, nous ne pouvons pas payer des charges. Après 20 ans, ils finissent des charges. Nous venons là pour nous discuter. Nous refusons de discuter avec qui c'est. C'est pas possible. Président, président. C'est pas bien. C'est pas bien. Président, s'il vous plaît. La commission est trop intéressée. La politique, non. Commission, non. La défense, moun qui va payer taxe. Commission pas intéressée. Commission pas défendre qui moun. S'il vous plaît. Commission suspecte. Nous pas assumer responsabilité, nous comme législateurs. C'est nous qui payons nos déchets. Nous révisons. Nous n'avons pas vu nous remplacer, nous. Nous révisons. Nous n'avons pas vu le ministre. S'il vous plaît. Nous avons vu le gouvernement. Nous avons vu le gouvernement. Nous avons vu le gouvernement.
Sénateur Latortu, la parole. La commission défense au rapport. Président. Ce sont des politiques. S'il vous plaît. Même nous-mêmes là. Même nous-mêmes, si allez dans DGI, là, ça vient nous pas payer. Ça vient nous pas payer. S'il vous plaît. La parole. La parole. Sénateur Lanel, vous n'avez pas la parole. Président, merci, président. Mais commission, ça va travailler. Sénateur Lanel, vous n'avez pas la parole. Sénateur Lanel, premier appel à l'ordre pour le sénateur Lanel. Deuxième président. Président. Sénateur Denis Cadeau, maintenant. Président, non, il y a le sénateur Denis Cadeau qui a la parole maintenant. C'est le sénateur Denis Cadeau. Il doit enlever ce qu'il a dit. Il doit enlever ce qu'il a dit. Et puis, la commission travaille pour l'Assemblée. La commission travaille pour l'Assemblée. Sénateur Denis Cadeau. Il doit enlever ce qu'il a dit, président. Merci beaucoup, président. Huissier, premier courant, nommé un sénateur Nenel pour bailler sénateur Cadeau. Huissier, essayez de faire du job là tout. Hein. Ah. Comment c'est fatigué? Sénateur Denis Cadeau. Merci beaucoup, président. Moi, saluer le premier ministre. Moi, saluer le cabinet. Moi, prendre le temps pour me tendre en plus l'intervention qui fait là. Je félicite la commission pour travailler. Moins prend temps pour me tendre en pile l'intervention qui fait avant là. Soit sous question fraude fiscale, soit sous question des charges. Moins t'as aimé souligner pour assistance là. Cabinet ministériel qu'en face nous là, c'est un cabinet qui monte sous trois grands moments. Donc nous avons en face nous là trois vagues de ministres qui formaient cabinet ça. Et sous base ça, mon première vague qui là, mais en dernière vague là, mon deuxième vague. Moi, je pensais que l'important par rapport à des suspicions qui étaient sous deuxième vague là, à ce que la commission dise nous clair, est-ce que chaque ministre a effectivement eu des choses. Deuxième intervention que nous avons fait, c'est concernant la question de fiscalité. Moi-même, ce n'est pas domaine, moi. Mais entre ça qui dit et ça qui pas dit, est-ce que yon moun qui fait nommer ministre, qui automatiquement jouit de certaines prérogatives par rapport à moment ça exactement, yon fin jouen que la fraude. Est-ce que loi ça on a dit là il applicable pour lui? Moi dans moment arrêté à fin sorti. Moi qu'on équipe ministre nommé devant moi. Yo voit que on en situation drôle. Est-ce que loi ça il applicable pour moun qui de 30 moun ça? Si tel est le cas. Si ministre ça va le faire 2 ans 3 ans. En d'un cabinet, ils ont décidé de faire le constat. Donc, la société, normalement, pas accepté, c'est normal. C'est vrai que nous avons la loi, mais question éthique là tout, il faut travailler sur lui. Question morale là, il faut garder tout. Je ne peux pas comprendre comment nous camper derrière la loi de la vie de bagaille, mais situez-nous dans le temps. Entre temps que nous nommons, il y a le cadre pour le voir que c'est une situation difficile. Qui ça nous-mêmes, comme parlementaires, n'a pas dit.
voulez que la commission dîne. L'œil est tombé sous casa. Qui première réaction que vous avez? Commission. Vous avez dit ça. Et si vous n'êtes pas capable de jouer une réponse à lui-même, m'a demandé pour vous corriger la conclusion. Côté tout côté on dit on l'a pour vous capable de dire on. Merci beaucoup. Sénateur Augustin et ensuite le sénateur Nenel. Merci président. Membre du bureau, collègues de l'Assemblée et les membres du gouvernement nommés. Je voudrais avant de commencer pour me féliciter l'intervention du sénateur Kadoa, qui c'est une intervention d'un homme d'État et d'un responsable qui prend la mesure de la situation. Président, la première chose que tout collecteur doit faire là, et c'est l'imboire le faire, c'est situer chaque intervention que nous pouvons faire là. Sénateur Nenel, s'il vous plaît. La paix. Donc, c'est situé exercice à qu'a fait après-midi à dans cadre. Son exercice traditionnel que constitution en bail parlement pour ratifier au premier ministre avec gouvernement qui se situe dans un contexte politique consécutif à l'événement 5 6 7 8 juillet qui fait que jodi a population la gayon flot de critiques sur institution parlementaire qui fait que nous toujours à la défensive pour nous défendre l'institution même si nous reconnaître qu'il y a quelque bagaille qui passe ça. Autrement dit jodi a constitution en dit après 30 jours faut que gouvernement t'est monté déjà et nous d'accord que pays a bloqué. Donc de bas qu'on a fait jodi a il doit situer dans deux bagailles ça. Nécessité pour nous comprendre signal 5, 6, 7, 8 juillet qui sa population a attendre de nous-mêmes et pendant la garde de séance, la garde si nous comprenons ça. Et nécessité pour nous retirer le pays dans l'impasse là. Moi, pas voulu aucun collègue perdre rien. Il y a un collègue qui t'a semblé peut-être ouais nécessité pour nous retirer le pays dans l'impasse là pour nous monter le gouvernement le plus vite que possible. Mais moi-même tout, moi, ouais, est-ce que si tu as. Citoyens de Yoa, depuis que le Sénat et le député ont dit telle qualité de bagaille, ils poilent que le n'a fait séance dans tout nous très sérieux. Moi, je voulais dire commission avec tout le Sénat, félicitations, parce que dès le départ, il y a des argumentations qui étaient quoi que pas même nécessaire pour nous enquêter sur l'éligibilité des membres du gouvernement. Nous avons défendu cette question vraiment et sur bien des cas, la population a ouais que nous avons raison de faire travail panne. Moi, je voulais que tout le débat qu'a fait Jodia, c'est continuité, ça, nous t'ai dit là, Jodia, pour que n'importe qui moun, pas entrer dans le gouvernement, et puis après, puis on vient dire que nous t'ai un problème. Moi-même, moi, je pensais que, il y a un débat qui fait là, son point de droit, qui voulait faire quoi que, lorsque la loi est dictée en principe, comme si je me décapais d'où, c'est automatique, il est capable d'appliquer. Là, je suis dans état de droit, non anarchie, non état délinquant, non état de droit, il y a quatre formes de compétences qui déterminent qui monde qui a droit à faire bagaille. Compétence rationnée personnelle, compétence rationnée temporis, compétence rationnée loti, compétence rationnée matérielle. Matière ça, nous avons qui matière liée. Et personne n'a pas compétence pour question de décharge, article 233, Jean-Sénateur Yurisot Lila, l'éclair. Sous question ça. Président, motion, président. Mais pas émotion. Motion, oh, pas émotion. Aïe là. Qui compte quoi il est là maintenant? Motion, président. Motion accordé au sénateur Kadoa. Président. Ou t'es dit pas émotion, ou t'es dit pas émotion, chaque mois après parole par haut. La commission. Le ou t'es dit pas émotion. La commission. Avait suggéré que nous pas. Moi-même, j'ai dit pas émotion. Sénateur Latortu, t'es suggéré. S'il vous plaît. Sénateur Latortu, t'es suggéré pour une seule motion. Je dis non, pas émotion. Mais par contre, nous t'ai dit pour toute. Pour commission, on a toujours la parole. C'est le membre de la commission qui est intervenu. Si je ne peux pas fixer le nombre d'interventions que membre de la commission est capable de réagir. Sénateur.
membre de la commission. Sénateur, moi je voulais dire à l'attention de l'Assemblée et même à public la cap garder nous que la commission travaille. Une question pour la commission, président. Monsieur. Pour la commission. Vous pouvez gagner la parole et vous pas même commission ou pas gagner la non, parole. Non, une question pour vous, président. Non, c'est sénateur Kettler seulement qui a posé en commission et dit gagner la parole qu'on là. Vous devez demander commission. S'il vous plaît. On gâte bail là, sénateur. Vous devez demander commission. Sénateur Chirami. Côté au barré avec rapport ça au côté là. Sénateur des autres. Sénateur Chirami, s'il vous plaît. Sénateur Kanto. C'est membre commission de micro. Sénateur Cantab, une minute pour précision. Parce que ma rappelé membre commission autour. Je ne suis pas capable d'intervenir indéfiniment. Même pas de tout, deux membres commission intervenus sont seuls intervenants. On seul membre commission à intervenir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais j'ai passé dans l'autre taille. Sénateur, président, en minute vraiment, président. Alors, sénateur comptable, une minute, vraiment. Président, on va limiter la commission, président. Comme limiter la commission, pour qui ça? Parce que son en précision besoin porté pour une intervention qui est faite par le sénateur Kettler. Président, le rapport. Président, le rapport n'est pas délinquant. Il n'y a que des voix délinquantes au niveau de l'Assemblée, président. Le rapport n'est pas délinquant, il n'y a que des voix délinquantes. Ça veut dire défendre le monde qui va payer impôt, c'est voir ça qui est important. Où est la parole? C'est rapport, où est la parole? Défendre le monde qui va payer impôt, c'est ça qui est bon. Président, nous méchants, monsieur. Commission, président, nous méchants, monsieur. Commission travail. Président, collègue, vous parlez de l'élection, pas entrer dans le jeu de ça. Président, la commission travaille pour l'Assemblée. Ça veut dire, oh non, collègue, oh non, Dieu. On a assemblé ou bien on a cabinet. Président, la commission, je voudrais préciser que la commission travaille pour l'Assemblée. Deuxièmement, pas pour vous. Deuxièmement, tu n'es pas l'Assemblée. Deuxièmement, président. Moi, ouais, que le sénateur Kevin Augustin, son motion prend, parler de décharge. Encore. Alors, pour moi, que la question de décharge, avant de faire pas poser, c'est encore la prescription. Attends, président. Est-ce qu'un monde qui a 18 ans, est-ce qu'il est obligé de faire un jugement, puis on connaît que le monde est majeur? Est-ce qu'un monde qui a 18 ans, il est obligé de faire un jugement, puis on connaît que le monde est majeur? Non. Je parle. Non, président. Je parle. De la même manière, je fais l'analogie. Au monde qui est vite géré, il doit avoir un document légal. Son jugement, puis on dit que vous avez bénéficié des prescriptions. Non, président. Non. Donc, la question de décharge est une fausse question, président. Président. Et que ça, faut mettre à côté. Et ça va pas. La commission a fait un travail extraordinaire. Président, il pas chita sous émotion, il pas chita sous chapelle politique, président. Président, commission défend monde qui va payer taxes. Malheureusement, Pas défend monde qui va payer taxes. C'est moi qui ai la parole, c'est à toi. Président, c'est à toi, vous êtes président. Vous êtes dans commission défend monde qui va payer taxes. Vous êtes président. C'est un mauvais exemple. Président, vous êtes président. Vous êtes un homme discipliné. Je vous dis que vous restez discipliné.
Pas fait ça. Collègue, quand t'as raté occasion. Je parle de vous, collègue. Collègue, quand t'as raté occasion. Tu es inscrit. Je parle. Collègue, quand t'as raté occasion. Je parle. Sénateur Beauplan, où est-ce que vous avez produit un rapport? Je parle. Président, je voudrais m'adresser à ceux-là qui sont allô contre cette histoire de prescription dont on parle. Et je pose la question aux collègues Nenel Kassi et... Président, président, nous ne pouvons pas défendre les gens qui ne peuvent pas payer taxes. Nous ne pouvons pas défendre les gens qui ne peuvent pas payer taxes. Président, je vais parler, vous me parlez, non, président. Président, jusqu'à présent, je lui pose la question. Non. Est-ce qu'il y a un jugement? Président, est-ce que j'ai la parole, président? Au monde majeur à 18 ans, est-ce que son jugement est fait? Non! Est-ce que ce jugement est fait? Non! Pour hier, me poser la question. Est-ce qu'il y a obligé de faire un jugement? Puis on dit qu'il y a un monde de prescription. Non! Nulle part, les prescriptions sont faites. Donc, je dis à président, la question de décharge après. Non! Très bien. Sénateur Kettler, finis avec intervention, non, s'il vous plaît. Président, remarquez, je vais commencer. Collègue, là, fait 4 fois plus titan me faire. Donc, il y a marqué, je commence à parler pour c'est fini, pour me finir. Puis, donc, tout fini, je ne vais pas parler même. Par contre, qui est-ce qui dit fini ou bien pas fini? Ah, ok, président. Dit, la merci. Parole, merci. D'accord, président. Et moi, je crois que là, nous faisons intervention là, c'est pour capable permettre tout le monde forger conviction pour nous continuer à voter. Mais nous faisons le tout pour que nous voyons que en tant qu'institution, nous avons fait le travail, nous avons pour nous faire. Donc, attention, ce n'est pas pour empêcher personne collègue parler. Au contraire, nous avons besoin de tous les collègues parler pour nous donner des arguments que vous avez. Moi-même, je dis que sous question lors dans le domaine république, nous avons un problème d'État. Et l'on a parlé d'État de droit. Chaque monde qui a une action qui a exercé, il a un côté qui dit mais qui moun. Et là, il finit dit mais qui sont capables d'exercer. Côté qui dit mais qui moun, le plus souvent, nous avons une loi cadre. Par exemple, dans la Constitution, qui mettons ensemble de droit, mais souvent, nous avons une loi cadre qui dit mais comment pour l'appliquer. Et c'est lui-même, sénateur la torture, sous le décret véritablement. Donc, on ne peut pas capable de dire s'il y a yo di men fon bagay nan constitution an. Et puis pou le dire puis yo di li doit accomplir automatiquement pour gen des lois cadre loi d'application qui dit mais comment pour l'exercer. Et c'est ça qui fait que yo di nan code pénal yo di moun pa gen droit faire tel cas moun pa gen droit tuer moun mais c'est pas là même de tuer moun yo bon peine non mais yo di gon jugement capable fait collègue comptable s'il vous plaît bon code d'instruction criminelle capable dit qui peine pour yo ba ou bon autorité qui la pour ça. Ça veut dire que toujours une autorité qui vous fixe nos états. C'est une question pratique liée. On a en face de nous, nous pouvons adresser nous aller, mais il y a un notaire ici. Quel est l'intérêt républicain de la question de décharge, de l'octroi de décharge? C'est parce que certainement, quand vous êtes entré dans l'état, vos biens sont grevés d'hypothèque. Ça veut dire que si vous avez un notaire, vous n'avez pas faire un et avec eux. Pendant en fonction jusqu'à ce qu'on pague des charges. Est-ce que parce que la Constitution dit ou une prescription vicénale là, ou qu'à Diaspora contre notaire, ou dit m'rive m'baoule, et puis d'abord m'baoule, il est irresponsable. Faut que tu avec un instrument qui fait le senti lui-même. Il n'y a pas de bagaille qui compte l'État, parce qu'elles sont officiers ministériels assermentés, on a une autorité pour aider l'État. Autrement dit, cet instrument il est indispensable. Parce que même là, on dit on a gagné des charges, mais la Constitution dit qu'il y a des gens qui peuvent. Autrement dit, pour me conclure, la décharge est automatique. Président, une motion. C'est mon bagage qui est là pour le monde dans le cap Jules Lalonde. Une motion. Deuxième motion. Oui. Chaque infraction. Encore une fois, ma vie. Deuxième motion que le prend sur intervention, toujours même commission. Oui. Et nous allons poser un principe là pour nous dire le sénateur a intervenu, qui prend la commission, n'a pas permis. S'il nécessaire. S'il nécessaire. Mais si nous avons 25 fois son seul intervenant. Et le Sakounia là, il n'y a pas d'ambiance de débat contradictoire vrai. Parce que
visé par temps déjà arrêté, qui vient que tu as fait conviction, parle déjà. Merci. Je vais rappeler, collègues, là, chaque infraction, yo, gagne sa nourriture des éléments constitutifs. Et en matière de prescription, qui ça nous besoin pour nous justifier la prescription? Faut que nous venions avec une pièce qui dit, mais qu'il est, il a commencé, nous avons dit, gestion par là. Et mais qu'il est, il finit, gestion par là. Il n'a pas besoin qu'une autorité qui pourrait qu'on papier Bali pour dire, il y a prescription. Mais maintenant, autorité, maintenant, qui sont prêts à le garder, c'est qui l'a commencé et qui l'a fini. C'est durée, c'est délai. C'est ça qui est prêt dans la prescription. Et c'est ça, nous, l'élément constitutif. Ce n'est pas autorité qui peut arrêter pour garder mon nom bon Dieu, dans le Green Jeff, pour dire, oh, ou même, ou bien prescription. Comment vous avez une prescription? Alors, même si vous ok, bon, si vous venez avec aucune pièce justificative, qui dit, mais qui compte elle commencé, mais qui compte elle fini, mais qui délai par prescription, comment vous le faire? Vous avez une prescription? Et bien, autorité après le décider, là, on parle de décharge. Autorité a décidé de parler et que nous avons des charges. Non, monsieur, nous pas qu'à faire ça. Nous connaissons très bien éléments, prescriptions, qui ça y est. Et je dis, c'est sous ça pour nous chita. C'est, nous n'avons pas besoin d'acquérir aucun monde. La parole, nous n'avons pas besoin de défendre aucun monde. Mais au moins, nous respectons près de droit. Yo. Et c'est ça que je dit au départ. Nous allons sous mauvaise voie. Tant à perdre à la, ça ne va pas rapporter nous rien. Alors que moi-même, j'ai des questions sérieuses pour poser au premier ministre là, je dis à la. Mais nous empêchons, moi-même, m'intervenir, je dis à la, pour au moins pour le pays, au moins pour le département nord-ouest. Nous chita, nous faisons dilatoire. Nous chita, nous induit la population en erreur. Comme quoi, son bail là. Pourtant, tout ça n'a pas nous le débat est de droit. Président, le débat est de droit. Sénateur Baga dit ça. Son motion de gain. Vous n'avez pas la parole, sénateur Latortue. Sénateur Kidja, merci. C'était la deuxième motion. Maintenant, j'ai le champ libre de faire passer mon point de vue. M'a dit que nous voulons que ce n'est pas un mot décharge décharge. Je ne veux pas que les mal utilisés font l'État. Yo dit que de pour entrer là-dedans, ou ben on va garantir, c'est comme tout bien te gagne, yo gove d'hypothèque. Ça veut dire que si m'gen bien, quand y'a noté séant, tout temps m'a gagne décharge, même si m'gen maladie, m'a ka vendre yo pour sauver tête pam. Donc l'intéressant, le map qui te fonctionne, yo dit m'gon autorité qui pou ban décharge. Article 233 constitution dit, mais comment il est, commission bicamérale des comptes généraux et de décharge, qui formait de 6 députés et de 3 sénateurs. Maintenant, 9 députés, merci, 9 députés, 6 sénateurs, 15 membres, merci. Merci, collègue. Maintenant, l'homme rivé Jodia, comment par exemple un notaire qui se trouve à Léogane ou en Safoleur, pour aller te connaître, côté que t'as des prescriptions viscérales, si vous ne disposez pas de certains instrumentum que l'autorité habilité pour bailler, bailler. Autrement dit, débat à président, son débat qu'a fait, sous qui moun, quel est le destinataire de cette loi? Le destinataire de cette loi, c'est pas moun, non, non, état de droit, ou pas qu'à mettre tête ou pousser au cap décider de la loi. Il y a toujours une autorité, soit une autorité administrative, soit une autorité judiciaire, soit une autorité législative. Et dans le cas ça, comme nous avons affaire à des dignitaires de l'État, c'est des grands dignitaires de l'État, et ce n'a pas appliqué, ça est le principe de la responsabilité ministérielle ou gouvernementale, c'est devant nous une responsabilité, et c'est ça qui fait que c'est nous-mêmes qui dit qui vous bat au décharge. Je dis à l'heure dit que Mounsa li bénéficie de prescription vicénale, ça veut dire qui ça? Pas aucune commission des comptes généraux de décharge qui est capable de décider. Pas bah mon en charge là ou bien venir mettre question dans débat là. Ça veut dire que lui obligé constater automatiquement depuis le que le gagne l'a recommandé sur la base de l'article là qui dit que le gagne nous balil pas gagne débat sous ça. C'est ça ça veut dire. Mais ça veut dire que depuis mon l'a dit, m'était là depuis tel temps, m'tout gagne, mais qu'on parle, on parle pas devant notaire. On parle devant notaire ou 25 cas ou te gagne yo et puis notaire parle d'accord alors que notaire vaut bien son gouvernement d'hypothèque. Ou pas qu'à vendre à partir du moment. Moi, quoi que président, moi pas faire intervention pour nuire personne. Moi, faire intervention pour nous rétablir la vérité. Parce que ce que je suis en train de dire, paradoxalement, je parle longtemps, j'en fâche avec Zamimio. L'homme t'a parlé de dossier Petro-Caribéa.
justement, le Parlement n'avait pas rempli sa fonction. Parce que si le Parlement était rempli fonction, il était invité à dépenser comme vous, convoquer ou bien interpeller. Et là, ça, sénateur, sénatus, pas dit que nul ne peut pas bénéficier de sa propre erreur en droit. Il n'a pas dit ça, non. Il était défendu, il faut que justice soit faite. Il n'a pas dit que nul ne peut bénéficier de sa propre erreur en droit. Alors que, effectivement, le nom facile. Sénateur, évitez d'indexer des sénateurs. Membre de d'accord. Commission. D'accord. Et là, ça a connu à l'homme de la parole, moins oui. Une pénible obligation. Oui, pour moi-même. Après, par la suite. Ouais. Président, non, ma femme, non, ma fille, non, pas la parole après l'homme fini. Non, pas d'émotion. Pas pour la parole. Vous décidez, non, pas de parler. Non, président, je ne suis pas d'accord. Non, 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 non. Vous décidez, non, pas de parler. Qui est-ce qui a la parole? Sénateur, sénateur, la parole, sous décidez, pas de la parole après. S'il vous plaît. Compte tenu du fait que vous citez nos sénateurs. Oui, décidez nous tout. Vous citez nos intervention. Pas de la parole. C'est le président qui parle. C'est le président. Est-ce qu'on rappelait que le président. Oui, mais le président parle maintenant. Oui. C'est ou citer ou indexer sénateur. Mais dites faire ça. S'il vous plaît, ou indexer sénateur. S'il vous plaît, sénateur, n'a permettre que vous finissez l'intervention. Non, mais immédiatement, il faut que nous permettions sénateur à faire un point pour clarifier la position. Parce que l'impératif pour que vous indexez son nom à des politiques. D'accord. Donc. Oui. Et là, ça me prend pas la parole, sénateur Beauplan. Parce que, effectivement, le sénateur Beauplan, Yuri, qui t'a fondé force de fer. La parole est de qui t'a fondé force de fer. La parole, sénateur Kedley. Président. Je vous enlève président, la parole, sénateur président, la parole, président, sénateur Nenel Kassi. Président, permettez-moi. Je vous enlève la parole. Président, permettez-moi de terminer. Vous pouvez pour le président. Non, président. Vous pouvez avoir du respect pour le président du bureau. Vous faites exprès. Président. Alors, président, permettez-moi de terminer. Vous ne pouvez pas taquiner le président du bureau. Permettez-moi de terminer. Vous ne pouvez pas taquiner. Permettez-moi de terminer, président. Vous permettez-moi de terminer. Vous dites, sénateur. Mais. Président, dans le siège, elle a une autorité d'après règlement pour bon la parole, mais pour le retirer la parole. Oui, président. Et là, je choisis pour me dire que le type de comportement qu'on gagne là, il n'est pas fait. Président, honneur, président, président, m'a dit que même et à président, même. Je suis en train de parler de dossier sérieux. Le dossier, pas le dossier président. Sérieux ou pas qu'à passer dans risible. Non, il n'est pas dans risible du tout. Ok. M'a parlé du tout. M'a parlé de dossier sérieux. Sénateur. Et je suis très sérieux, président. Sénateur, s'il vous plaît. Président, moi, très sérieux. Sénateur. 30 secondes pour finir l'intervention. Merci. Donc, montrez moi c'est clairement. Merci, président. Où remarquez que la parole, Baguel. Où remarquez que la parole, s'il vous plaît. Vous avez terminé. Non, merci bien. Vous avez terminé. Non, mais ouais. Comment va parler là? Eh bien, fini. Voilà, mais qu'il parle. Mais vous vous adressez à l'Assemblée. Pour qui ça? Ma l'Assemblée, mais il va pas parler en même temps, président. Population a mangé, vous n'avez pas couru. La séance est suspendue pour 5 minutes. D'accord, président. Je veux consulter les honorables sénateurs. Ça ne peut pas se faire ici, monsieur. C'est pas honnête, c'est pas correct. Retournez là, la question, président. Parce que, président, Paris, là, non, président. C'est une question pays qui a pris là. Ok, les amis téléspectateurs, on suspension de séance. Sous demande président assemblée et bon suspension séance bon consultation pour être faite en bureau avec les membres de l'assemblée sous demande président Joseph Lambert et assemblée sénateur yo même yo pral consulter entre eux pour joindre une entente parce que faut rappeler que jusqu'à présent là nous après commission spéciale la fin de remettre rapport, c'est à doué et opportunité pour le premier ministre Oumea lui-même il était présenté énoncé politique générale mais devant insistance plusieurs sénateurs ont été obligés prendre quelques questions prendre quelques suggestions et c'est de là débat lui-même il t'a l'ouvrir et là et après plus que 2 heures côté il a fait débat sur ça qui gagne ouais avec rapport il y a pas commission spéciale là lui-même il remettre là et président bureau lui-même lui demander pour capable pour une suspension de séance le temps que lui-même avec reste sénateur qui présent eux-mêmes yo capable et concerter pour trouver une entente pour connaître comment il a continué avec séance ça l'on connaît que séance jodi a son séance côté
et bureau Sénat ensemble avec un sénateur, tu as dû pencher, tu as dû voter sous politique, tu as dû ratifier politique, énoncer politique générale pour un ministre nommé Jean-Henri Séan, qui présent dans l'espace là, accompagné de 21 membres dans le cabinet ministériel là. Et nous capable citer gain 4 secrétaires d'État et puis 17 ministres, parce que gagnon dans ministre pas présent, c'est Osner Richard. Et s'il veut reprendre ça que tu dit dans rapport que commission spéciale là t'es bas là, Osner Richard c'est un citoyen que qui t'a prouvé que citoyen ça les mêmes en plus que les haïtiens li gon l'autre nationalité. Donc c'est une cause qui expliquait absence et Osner Richard parmi cabinet. Mais il faut signaler présent c'est 4 secrétaires d'État, secrétaire d'État à la communication, les présents, secrétaire d'État à la sécurité publique là présent, et secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées présent tout, et de même que secrétaire d'État à l'alphabétisation. Et c'est seulement Osner Richard qui est ministre environnement lui-même qui pas présent, pour cause nous t'attendons que sous commission spéciale là lui-même l'était cité. Faut signaler pour tout le monde que là c'est une étape avant étape finale, nous capable dire c'est peut-être dernière avant dernière étape que premier ministre nommé Jean-Henri Séan a vivre là, parce que si ça après nomination le 4 août 2018 et puis présentation à la nation le 7 août et c'est jeudi à 14 septembre que premier ministre lui-même li gen opportunité ça pour capable venir présenter énoncer politique générale li. Et c'est après que assemblée sénateur là lui-même li fin bal OK ou bien pas d'accord que y a connait qui l'autre étape qui pral franchir. Mais ça qui certain, si assoué à la assemblée sénateur eux-mêmes yo ta marché d'accord avec et énoncé politique générale là, et rendez-vous à cassé pour demain samedi à compter de 3h dans chambre des députés à côté c'est et l'assemblée des députés ils ont même cap gain pour capable statuer sous énoncé politique générale premier ministre nommé Jean-Henri Séan. Et si ça arrivait que premier et chambre des députés ali même li marcher dans même ligne avec sénateur d'accord avec énoncé politique générale là, on va ces dernières lignes droites là nous pourrons passer dans dernière étape là qui c'est installation premier ministre. Mais il est encore tôt parce que là séance ça jodi à la dans sa séance sénateur li prend deuxième suspension qui prend là, et suspension sous fois ça c'est pour capable jeune entente dans mitan sénateur pour garder sous avenir séance ça qui t'a doit déboucher sur un vote de confiance ou bien de non confiance de politique générale Jean-Henri Séan, Jean ça prévoit d'après la loi. Et là n'a rappelé que si dans premier appel là t'es accusé présence 18 sénateurs, et bien pour l'instant il y a plus que 18 sénateurs qui présent et fait qui présent physiquement dans la salle de séance là. Et là nous capable dire qu'il y a près de 27 sénateurs qui présent physiquement dans la salle de séance ça, le temps que